guerrier, c'est pas forcément une belle récompense pour lui d'abandonner si rapidement la deuxième voiture de l'United Autosports en catégorie LMP2. Oh là 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 là, mais regardez ce qui se passe. Mais oui, mais forcément, il n'y a... Oh, qu'est-ce que c'est? Mais si, mais c'est la voiture numéro 35 de Victor Scheitar, ouais, qui a été déconcentrée par les drapeaux jaunes. Il n'y avait que des drapeaux jaunes alors que la voiture est en situation dangereuse là ici. Mais messieurs, la direction de course ou les commissaires, mais c'est dangereux comme tout. Mais c'est dangereux, il s'est raté au freinage, Victor Scheitar, parce qu'il a été déconcentré en voyant cette voiture arrêtée. Mais regardez, regardez-moi ça. Les commissaires ont failli se faire renverser par cette voiture en difficulté. Non, là franchement, quand on voit ça, ouais, ça me fait peur. Là, honnêtement, là je suis désolé, mais c'est vraiment pas du tout safe entre guillemets. Je suis pas pour les safety cars, hein, mais franchement, mais regardez-moi cette image. On a failli avoir un strike avec les commissaires de piste et Phil Hanson qui reste en bord de piste. Enfin, c'est incroyable.